sur Banzai Live avec Gannette. Et non, c'est moi là que vous attendez tous avec impatience. Du coup, les amis, écoutez, chose première, chose due, on reprend Ace Attorney Trilogy. Et en plus, le truc qui va bien, c'est qu'on a une nouvelle enquête. Tout à fait. Celle, le volte-face du samouraï, qui est une des préférées des fans, qui a été adaptée en film. Tout à fait. Bref, vraiment, la tuerie, une des histoires de visual novel les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. Et en plus... Et malgré ce qu'on a dit la dernière fois, je n'ai pas regardé le film pour ne pas me spoiler. Ok, tu t'es pas spoilé, ouais. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Fantastique. Moi, j'ai un peu oublié, même si je me souviens qu'il y a un truc à un moment très très malin, quoi. Une lune blafarde dans le ciel, pleure ton sang. Ah oui, c'est que là c'est des samouraïs, donc on peut faire des grosses voix de Michel Lef, si tu veux. La lune. Non, on a oublié. C'est la dernière fois que tu la vois. Rendez-vous en enfer, juste sans cœur. Et les lames des guerriers luisent et frappent à la lueur de la lune. L'un à l'eux est tombé. Mais qui? Seule la lune le sait. La semaine prochaine, ne ratez pas le prochain épisode. Le retour du messager noir. En plus, on aurait dû faire un accent noir, du coup. Oh mon dieu. 14 octobre, 17h31, cabinet d'avocat Wright & Co. C'était génial! Alors oui, parce qu'en fait, je repensais que très récemment, Michel Leb a mimé le japonais qui jouit chez Drucker et c'était horrible, quoi. Ah t'as bon, pas vu cet extrait? Il fait merde, genre... Ah, alors que les japonais, ils prennent... C'est plus... T'es là genre, what the fuck? Ah, bordel, arrêtez-le, quoi, tout de suite. Anesthésiez-le tout de suite. Bref. C'était génial! Rendez-vous en enfer, juge sans cœur! Hé, hey, arrête de secouer ce balai dans tous les sens! Et continue le ménage, bordel. Oh, Nick, je savais pas que tu étais là. Bien sûr que si, je suis là. Je n'ai pas de maison, je suis un japonais. Mais c'était quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder? Merci, Andouillette. Quoi? Tu ne connais pas le samouraï d'acier? Samouraï d'acier, c'est ton ami le moins meurtrier. C'est le héros de la télé, le plus populaire chez les jeunes. Jeune? Jeune comment? Des années 70? Merci Théo Maximus. Ça me fait marrer que Phoenix soit pas dans le coup parce qu'il est juste chiant dans la vraie vie. Dis ça. Alors pourquoi dire mais tu es si excité? Hé, je n'ai que 17 ans. C'est encore dans les 10, tu vois, je suis une ado, pas comme toi, Nick. Hé, ne me parle pas comme si j'étais ton grand-père. Je n'ai que 24 ans. Et j'ai une voix de vieux daron. Alors regarde-le avec moi, il est vraiment génial et tout le monde l'aime. Quand on demande au gamin ce qu'il veut de plus là, plus tard, samouraï d'acier, le numéro 1. Comme si je me souciais des enfants en ce moment. Vieux schnock. Bon, le samouraï d'acier est terminé, c'est l'heure de fermer le cabinet. Sûrement. Si seulement on avait quelques clients. Vas-y, qu'elle est cool. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Pendant quelque temps, toute la ville a parlé du meurtre. Mais personne ne faisait attention au cabinet Wright & Co. Comment est-ce que je vais pouvoir payer le loyer ce mois-ci? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'un gros client va faire refapper à notre porte. Bouef. 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 16 octobre, 8h14, chambre de Phoenix Wright. Dring, dring. Dring, dring, je suis le téléphone chiant. Bip. Bip. Allô, Phoenix, l'appareil. Nick. Maya, mais qu'est-ce qui se passe? Il est tôt, tu me réveilles. Mais le téléphone. C'est le samouraï de ce... Le samouraï de dessus, il n'a pas raté! Hein? Tu veux parler de ce type de la télé? Oui! Il est juste une chose aujourd'hui! On s'y croirait. Trois petits points de suspension. Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire? Ici, il est à la télé! Ah oui, à la télé, à la télévision. Non! Je veux dire qu'il aurait voté quelqu'un pour de vrai! Et mon prochain vous dit avec celle du samouraï! Là, c'est plus un interphone qu'un téléphone. C'est horrible. Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. L'interphone de cité. C'est l'interphone de François Pérus. Oui, ça. Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Ah, merde. Hey, salut, je viens de montrer ma bite. Salut, je viens de montrer ma bite. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est mon cousin Cédric. Je viens de rendre visite. Oui, ça. Salut, je viens de rendre visite. Salut, je viens de montrer ma bite. Ah. J'ai vu tout du rouge, je t'en prie. Nuke.
16 octobre, 9h22, cabinet d'avocat, Wright & Co. Maya est là. Elle regarde la télé. À présent, le titre du jour. Docteur Gustave Volonté a été... Gustave Volonté... Oh, a été arrêté ailleurs. Volonté tient le rôle principal dans la célèbre série pour enfants, le samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. La victime n'est autre que Jacques Hammer, qui joue le rôle du juge sans cœur. La victime a été retrouvée vêtue de son costume du juge sans cœur, et la lance de samouraï a été retrouvée plantée dans le corps de la victime. La police pense que l'arme est du crime, et elle mène son enquête. Trois petits points de suspension. C'est sûrement une blague de Toto. Non, non, c'est un cauchemar. Ah, pardon, je suis encore au téléphone. Je suis encore au téléphone, désolé. C'est un cauchemar, plus de samouraï d'acier, mais c'est la fin du monde. Ring, ring. Je suis un portable. Oui, cabinet d'avocat Wright & Co. Vous m'appelez en l'an 2000. Quoi? Minik, c'est le samouraï d'acier. Quoi? Oui, oui, bien sûr, nous arrivons tout de suite. Bip. Merci beaucoup, Dux. Bellorums, vous êtes nombreux, les harangs. Et pourquoi vous n'apparaissez plus sur le... C'est passé. Pourquoi je vois plus le nombre de harangs? Attends. Voilà, merci. C'est qu'on voyait plus le nombre de harangs, mais c'était terrible. Voilà. Allons-y, Nick. Y aller, allez où? Le samouraï d'acier a été blasé en détention provisoire. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Alors j'ai décidé que ce serait notre première affaire. Le samouraï d'acier, c'est une affaire qu'on va élucider. Chanson de... C'est Bernard Minet. Eh bien, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Mais comment me dure rester les bras croisés? Il faut qu'on aille aux avant-lits de l'océan contre le samouraï d'acier! Je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire du tourisme. Je pencherai pour la deuxième option. Nous manquons d'informations pour plaider cette affaire! Admets plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer! Non, mais nous manquons d'informations! Ok, bon, voilà. Rassurez-vous, octobre, centre de détention Parloir. Ce cas est particulièrement long, donc on a du temps devant nous. Hein. Donc on peut pas trop se presser. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas, Maya? C'est lui, en chair et en os. Est-ce que c'est vraiment ce type? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type? Bien sûr que c'est lui. Gustave Volonté. Je vais faire un accent québécois pour lui, parce qu'il a bien une gueule de... Notre client, c'est lui. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est lui, il l'a tué. Au moins une fois, peut-être deux. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que tu racontes? Hey. Oui. Quelque chose va pas? Quelque chose va bien? Non, non. Ça commence mal. Ah, je sais ça, vous êtes déçus, là, non pas? Déçus, mais non, mais non. Y'a pas de mal d'avouer tel que je suis vraiment... Là, j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier avec ce mouse. J'ai décidé que jamais je dévoilerai mon vrai visage au cowboy avant la fin du contrat. Ça va être dur de se concentrer. Bah oui, mais bon, c'est fait pour ça aussi. Ça fait tellement C'est à marrer. Cause des enfants, vous savez, je voulais pas briser leur cœur. Tu vois, ma tête, tu dis, hey, non, t'as une mauvaise face. Bon, ça a plus d'importance, hein. Ils m'ont rayé de mon nom de la liste. Tout ça pour des rêves. Je me demande bien s'ils doivent penser de samouraï d'acier maintenant qu'ils savent qu'ils viennent de Chicoutimi. Ouais, désolé, ça je pleure là. Ah merde. Puis non, là, moi, je suis peut-être un samouraï d'acier, mais mon cœur, il est fait en chair là. Puis je pleure. Puis j'ai des grosses gouttes sortent de mes yeux là, tu vois pas? C'est un rond. Hey donc là, hey clique-toi là. Merci Pepperboy. Non, hey. Nick. Le gameplay du jeu, il va durer des heures. C'est un mec bien, je veux dire, il est sincère. Ouais. Ce n'est pas lui le coupable. Trois petits points de suspension. Discutez. Vous pourriez peut-être commencer par nous raconter ce qui s'est passé. Hey, non, pour sûr, là. C'est comme si c'était hier. Ben, en fait, c'était hier. Hein. Les acteurs venaient d'arriver à Glabo Studio pour une répétition. On a revu quelques scènes d'action à 10h. Répétition générale est prévue à 17h. Ouais. Mais lorsqu'ils employés sont arrivés à 17h au studio, le juge sans cœur, il a pas mêlé, il était affalé par terre après être blindé. Merde.
on lui a retiré son masque. Et donc, on a découvert que c'était Jack Hammer. Il est mort, il bougeait plus. Il a été adroitement abroché avec la lance de samouraï. La lance de samouraï? Oui, c'est une longue lance que... Enfin, disons que le soir, je m'en mets dans l'anus, mais il l'utilise comme arme, le samouraï d'acier. Oh putain de merde! Vous pourriez peut-être m'expliquer ce qu'est exactement le samouraï d'acier. Nick, mais comment veux-tu dire ça? Je suis désolé, monsieur. Je vous demande d'excuser mon associé. Il est nouveau dans ce métier et un peu hors du coup. Et qui est nouveau dans ce métier? Non, oh, et donc, t'as fait dans le pot, là. Le samouraï d'acier, c'est le personnage principal d'une série pour enfants. Garpante les rues du nouveau vieux Tokyo. Maintenant, combat sur combat quand on a juste en guerre, les sous-fifs. Les sous-fifs. Bien entendu, parvient jamais à vaincre le juste en guerre définitivement. Enfin, là, vraiment, j'imagine qu'il a vraiment vécu cette fois. Et lol, là, comme on dit chez vous autres, là, les petits enfants, ils disent, ils font les SMS, là, ils disent lol, là. Ouin, ah, je vois. Oui, bon, parce ben, je suis en roue libre, moi, je m'en fous. Faut que vous sachiez quand même que quand Ganesh fait le Québécois, il doit forcément avoir d'autres QI. Mais non, mais non, là. Et faire des phrases, genre, compliquées pour rien et chiantes. Et comme les vrais Québécois, qu'est-ce que je te dis? Ça donne ça, quoi. Je vois. Le nouveau vieux Tokyo. Qui a imaginé un nom pareil? Pat Le Guin? C'est sûrement ça. Où étiez-vous le jour du meurtre? Eh ben, ce matin-là, je suis arrivé au studio à 9h. On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi. La répétition devait commencer jusqu'à 17h, mais j'étais un peu fatigué. J'ai trop de mal à me concentrer en fait sur les vrais événements qu'il faut retenir. Oui, oui. Alors, après le déjeuner, j'ai fait la sieste dans ma loge. Puis, quand je suis réveillé, il était 17h passé. J'étais en mode pour la générale. Ma sieste dans loge. J'ai couru au studio. J'ai trouvé tout le monde en état de choc. Il était crasse sur le choc. J'étais amené arrêté sur le champ et amené ici. Alors il a dormi tout l'après-midi du meurtre. Tu parles d'un héros, c'est un vrai Québécois. Qu'est-ce donc que les enfants vont pas pouvoir penser de moi là que je suis un meurtrier? Sumimasen, comme on dit en japonais. Je devrais peut-être aller sur les lieux du crime, faire un tour. Hey non, ça, bonne idée, Global Studio, tu tournes à gauche, à droite. Global Studio. Et donc je dessinais un plan. Formidable, Nick Alonzi. Je suis prêt à parier 10 euros. Ah non, non, je suis prêt à parier 10 euros qu'elle va demander des autographes et des Teddy Boops. Alors qu'elle n'a pas encore de sang, parce qu'elle n'a que 14 ans. Sauf si, bien sûr, sa oui, sœur morte la possède. Ouais, voilà. Qu'elle se transforme. Si elle est possédée par sa sœur morte, là, bon. Elle est plus gros sein. Bah là, on n'a rien de plus à dire. Ouais, bah, de toute façon, nous, ouais. Tant qu'on peut aller, se déplacer dans un nouveau truc. 16 octobre, Global Studios, entrée principale. Génial! Alors c'est là qu'il tourne le samouraï d'acier, mais c'est fantastique! Ça ne t'éclate pas, toi! Bon, laisse-moi la nuit voir. Vas-y. Et vous là-bas? C'est mamie, tata Suzanne. Pour rentrer, il faudra d'abord me passer sur le corps, mon petit chou. Oh, mais désolé! Oh, nous sommes avocats! Ah ouais, ça me fait une belle jambe. Moi, je m'occupe de la sécurité. Je vais devoir fouiller ton anus. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent dehors. Mais les badauds? Les badauds, les curieux, les touristes et les Québécois. Les oiseaux, et vous avez entendu parler de l'accident et vous venez fouiller. Et les vannes. Perdons votre temps, vous n'êtes pas un métier, vous. Et alors, les avocats sont laissés à la bosser. Et alors, les amis, c'est l'affaire à notre neuf. Et quand c'est la zone différente, ne me l'aidez pas. Celui du pays étrange, hein, la laisse à mon pauvre. Nanique, elle est chiante, je crois qu'elle est très vieille. Elle ne verrait pas. Est-ce que je deviendrai un jour comme elle, s'il te plaît, dis-moi que non. Tu seras comme elle, mais avec des gros nichons. Ah bon, alors je ça va. Rien, c'est possible. Hé hey. Écoutez, quand je vous parle, ah, les hommes de zombies, vraiment. Alors. Que faites-vous dans ces studios, madame femme trop vieille pour être agent d'équité? En soi, au Japon, il y a des gens très vieilles qui font des boulots très de merde. Oui. Genre... Mais nous ne sommes pas au Japon. Tu peux voir des petits papis de 70 ans dans le boulot toute la journée, c'est de tenir un panneau pour dire « Attention, il y a une déviation ». Et les gens, ils sont très vieux qui font ça. J'envie les Japonais et leur système de santé. Chez Global Studio, on transforme les rêves en des enfants en réalité. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune,
Non, mais vous étiez une star. Ah, une toute petite lueur parmi les grandes étoiles. Oh, elle veut craindre, ma petite dame. Waouh! Cet endroit est vraiment détérioré, vous savez. Mais il y a 10 ans, c'était le studio des rêves. Oh, Hammer était une grande vedette à l'époque. Oh, il était... Hammer. La victime, imbécile, oh. Oui, c'est vrai. Il faut tout raconter, c'est le vieux de son cœur. Ouais, il est arrivé à eux, les bandits. Ah, mais on a vu mieux pour exprimer son talent. Merci beaucoup, Macar Nounoun. Voulez-vous me parler de Gustavo Lonté? Oh, c'était pas un mauvais gars, mais vous laissez pas allumer par son masque. Oh, mieux vaut ne pas le voir. Elle est grande sans son masque, croyez-moi. Oh, les petites vieilles, elles avaient la paisie coupée. Oh, c'est sûrement la raison pour laquelle le samouraï de la fille était son opportunité en or. Blech. Personne ne l'aurait cru capable de faire ça au pauvre Nakamura. Nous ne sommes pas certains que c'est du Gustavo qui l'a tué. Lonté? Ah, mais bien sûr qu'il est coupable. Comment je le sais? Non, mais c'est tout, c'est mon boulot. Quel genre de personne était Jack Hammer? Quel genre de personne? Ouais, si vous saviez. Oh, Jack Hammer continuera à me battre dans les cœurs, comme le dernier héros d'action. Il était tout simplement superbe dans la série Samurai Dynamite. Censé avoir entendu parler de ça. Ouais, c'était en 1965. Mais un accident a lieu il y a 5 ans pendant un tournage. Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça. Réduit à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants. Oh, mais on m'a dit qu'il était payé au lance-pied. Oh, ça voulait la merveille. Pourquoi êtes-vous si sûr que Lonté est l'assassin? Ah, je me trouvais ici hier, monsieur. Ah oui, monsieur. Ah, je suis resté de 13h à 17h lorsque le corps a été découvert. Hors le studio. Déjà, une divergence. Ouais, parce que c'est à 17h qu'il meurt, non? Il est sorti. Ah oui. Alors, le studio où les meurtres lieux se trouve à grosse par ici. Alors, si quelqu'un va aller au studio, il va forcément passer. Ah ouais! Et cette personne est passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu. Il s'agissait de Monsieur Lonté. Allez, lui. Monsieur Lonté dit qu'il dormait dans sa loge, comme un Québécois. Oh, bien entendu qu'il a dit ça, mais il est pas bien. Ouais, et puis, il est le seul à être passé par là. Ah, c'est lui assassin, on pourrait pas y laisser, oui. C'est encore pire à chaque fois. Je me cancer de la gorge très avancé. Ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous maintenant, par ailleurs? Y'a rien à voir ici, j'ai reculé. En fait, c'est Monsieur Lonté qui nous en croit. Je me disais bien que vous aviez l'air lousse, hein. Montrez-moi une demande officielle. Et ce petit cul. Et je vous laisserai peut-être entrer. Manifestement, Zedda me prend pour la chef de ses yeux. Putain, elle pleure, la pauvre. Hein. Salut, grosse fainéasse. Mais c'est quoi ça, vous me le donnez? Je suis un avocat. Ah bon. J'aime trop la zig de chez nous. Merci Sucard qui offre 100 000 bits. Et donc, comment ça s'est passé au studio? Ils pensent tous que c'est moi le coupable des danses, c'est non pas? Non, pas du tout, pas vrai, Nick! C'est vrai, pas du tout. Au pire, vous êtes juste un suspect. Et non, moi je suce pas les pays, hein! Pas un fif, moi! Oh, mon Dieu! Monsieur Lonté, vous ne me cachez rien, n'est-ce pas? Et non, quoi? Et je ferai jamais ça! Vous venez de dire à l'instant que vous avez dormi dans votre loge après le déjeuner. Oui, comme un bébé. C'est tout fait marrer. Merci Voltaire pour votre Twitch Prime. Mais la dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là. J'ai l'impression que les gens se subent et ça rajoute pas de sub à... De toute façon, bah écoutez, on verra bien. Elle dit qu'elle vous avait vous dirigé vers le lieu de crime. Eh hey, non, c'est impossible, là. Je sais vraiment pas quoi dire, je dormais, je suis en train de rêver de Céline. Monsieur Lonté, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité. Je suis nouveau dans le métier, et je dois admettre, et je dois mettre toutes les chances de mon côté. Eh hey, non, je sais ça, je suis navré, ben je suis Gustavo. Mais je vous jure, ça tombe ma mère que je faisais la sieste. Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru voir parce qu'elle a de la cataracte, parce qu'elle est vieille. Qu'a-t-elle vraiment vu? Il n'a pas l'air de mentir. Merci Yuna-chan. Maintenant, c'est bon, le compteur s'active. Cette espèce de Wolverine québécois a l'air très très sympathique. Concernant la gardienne de l'entrée principale du studio. Ah, la dame de la sécurité?
Elle est épouvantable. Elle m'a dit que j'avais l'air louche. Oui, en fait, elle m'a déjà dit la même chose. Un petit récipient, ce qu'elle me disait. Mais l'annonce de mon visage, c'est ma face. Elle fait de la lèche à tous les gros bonnets du studio. Mais faites un seul faux pas, vous ne lâcherez plus. Oh, elle est gonflée. Vous croyez que vous pouviez écrire une requête officielle pour que je vous représente? Eh non, ça, mais il faudrait que d'abord que j'apprenne à écrire. Requête de longueur ajoutée au-dessus de l'affaire. J'espère que ça m'aidera à passer cette dame de sécurité. Hey, comme un pauvre vieux boss de Dark Souls que j'arrive pas à passer. Prenez ça! Madame, veuillez jeter un œil sur ceci, espèce de vieille salope. C'est une requête de Monsieur Lonté. Hein? Et en effet, on ne reconnaît son écriture à Grimouillage l'enfant. Requête de Lonté remise à la dame de la sécurité. On va dire qu'il met son dessin entre les mains de Zed à l'allure aussi douteuse. Vraiment? Vraiment? Enfin bref, vous pouvez rentrer. Les seulement sur la gauche dans les studios, interdiction d'aller à droite, c'est la zone réservée aux employés. Personne ne doit entrer, mademoiselle. Voilà mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil inspecteur. Et Nick? Hein? Nique-toi! Ça me fait marrer. Il y avait des plans dans le poste de sécurité! Tu as volé des trucs? Ah, bien joué, petite voleuse de japonaise! Alors, il y a un studio, l'arche, la loge qui est là où il dormait, et la zone des employés, on n'a pas le droit d'aller. D'accord. C'est 50 centimes là, merci! Ah, allô-y, Nick! 50 centimes! Plan de Global Studio ajouté au dossier de l'affaire! Ah oui. T'as les choses de faire. Parce que dans ma tête, tu veux faire un scrolling, tu vois. 16 octobre, entrée du studio 1. Et vous seriez pas cet assassin d'autrefois par hasard? Il est vraiment nul à chier comme détective. Mais quoi. Oui. Le mec, il te voit, il a été au procès où t'as été acquitté. Mais oui, et puis il se souvient jamais de ton nom et tout. Il a exprès caché des preuves à la demande de Hunter, et là il fait de la merde encore, quoi. Enfin bref. Ah! Mais c'est cet inspecteur, le roi des cons! Eh mon gars, vous savez ce que Hunter est très fâché, et tout ça à cause de vous. J'ai vu siroter son thé, regarder d'un air lugubre par la fenêtre. Et alors? S'il est déprimé, c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à pas travailler n'importe comment! Trois petits points d'exclamation! Trois petits points de suspension! Trois petits points de suspension! Merci Dark Girls. 20 000 bits. 666 près, 666 près, ok. Je crois que tu l'as vexé! Oh non! Mais je suis désolé! De toute façon, je crois qu'un rien le vexe. Vous avez raison, mon gars. Tout est de ma faute. Je peux toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité. Et prenez pas les choses aussi mal. Il y a toujours la prochaine affaire. Ouais, vous devez avoir raison. Hé, qu'est-ce que vous faites ici, vous deux, exactement? Eh bien, on est gâteau sur les affaires, mon gars. De quoi? Je vous interdis de dire mon gars comme ça. C'est mon expression, celle qui fait tout mon charme. Mais tous les goûts sont dans la nature, vous avez le droit d'avoir du charme ou de ne pas en avoir. Ah putain, ce blabla inutile par contre. Ah oui, putain. Alors, comment avance notre enquête, inspecteur? T'as vu ce que j'ai tweeté tout à l'heure dans Streets of Rage, la musique de Nelly, quoi? Y a une musique qui est piquée d'un autre endroit, non? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vu que sur Instagram, tu te souvenais plus d'une musique. C'est ça. Alors, je vais casser les couilles avec, mais bon, je l'ai posté tout à l'heure. En fait, je suis revenu de chez le veto et avec ce truc dans les oreilles, et du coup, j'étais là genre, mais putain, il faut que le monde sache. Et donc, t'as entendu une musique... C'est ça. ...actuelle. Ça t'a fait rappeler une musique... C'est un rond. Merci, Rigop.
Le pire, c'est qu'en version pâle... Ouais, ça, ça ressemble. En version pâle, en plus, c'est un petit peu ralenti, et du coup, c'est vraiment, on dirait vraiment les mêmes trucs, quoi. Enfin, bref. De toute façon, on avait déjà vu que Janet Jackson, elle kiffait Sonic. Ah oui, exactement. Et qu'en fait, après, j'ai vu que la musique de Sonic ressemblait encore à une autre zik. Ah ouais ? Ouais, en fait. Mais bref, j'ai regardé, j'ai regardé une playlist spéciale de limite, on passe une vidéo pour en parler. Des trucs qui se ressemblent et ça... Alors, comment avance ? Merci sur le carte. Eh bien, c'est... Hé, je peux rien vous dire là-dessus, mon gars ! Nick, peut-être... Devrais-tu être un peu moins direct quand tu poses ces questions? D'accord. Alors, inspecteur, pourrais-je jeter un œil à ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai trouvé? Le rapport d'autopsie. Dernière version, je vous prie. Ouais, bon, ça va. Désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois, mon gars. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Voilà, poitrine transpercée par une lance. Super, merci. Pourquoi Monsieur Lonté a-t-il été arrêté? C'est très simple, mon gars. Les zics sont trop bien, je kiffe trop les zics. Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio numéro 1. La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13h. À ce moment, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio. Le rapport d'autopsie lors du décès est estimé à 14h30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30. Cette personne n'était autre que Gustave Lonté. Personne d'autre, mon gars. Vous pensez que je mens? Demandez à la gardienne de l'entrée principale. Mais Nick, si c'est la vérité, tout le monde ne pensera que l'on est le coupable avec une telle brève. Merci de me remonter le moral, jeune japonaise. Concernant la dame de la sécurité. Oh, cette gentille vieille dame, quelle séductrice. J'en ai une demi-molle rien qu'à y penser. C'est énorme, c'est... Vraiment, tout ce qui est à chier, il adore que... C'est genre, il a réussi... 50 ans de moins. Je pourrais peut-être me masturber dessus, mais bon. Ça fait penser. Ne crions pas les étapes. Je sais plus quand je pensais dans François Pérus, c'était le mec qui est tout le temps négatif. C'est genre. Ah, fais chier. Ah, mais attends, mais si on allait dehors, il fait. Ah non, il fait froid, il fait clair, il fait chaud, il fait froid, il s'appuie. Ouais. Et puis après, merci, c'est la bière. C'est ça. Oui. Les biscuits boost ils font sont tellement mauvais qu'on les recrache tout de suite. Les biscuits boost ils font, c'est pas très bon. C'est vrai, fait. Ah, ça a l'air bon ces biscuits. Tellement vrai qu'il se fait là, genre. Séductrice! Il est bon, il est bon. Merci, Slapir. Sommes-nous en train de parler de la même personne? Et que je lui ai montré mon signe, elle m'a offert un bagnet. Et elle m'a sucé! Tu sais que j'ai mangé avec Brigitte Le Cordier semaine dernière. Génialissime, hein, trop bien. D'ailleurs, elle a sorti sa chaîne YouTube. Oui, hein, donc, aujourd'hui même, je me suis abonné. Faut s'abonner, et il y a Mister Fox qui s'en occupe, et c'est plus ou moins mon sosie. Et du coup. Et merde, et du coup je lui ai expliqué que je vais parler des répliques de Patrick Poivet dans Apocalypse. Déjà dans Apocalypse avec le Tchop, ouais. Mais aussi dans Serious Sam où il dit « Vous saurez tôt sur les Audis ». Et quand après tu vois les grosses cuves de vin à Rome là, dans la Rome antique et il fait genre « Ah, j'aime pas trop ça le vin, vous avez pas de la bière ?» Et elle a hurlé de rire parce que elle le connaît bien et a dit mais il dirait jamais ça. Oui d'ailleurs, oui alors quelqu'un dit quel est le rapport avec ce que Ganesh a dit à Benzaï, pourquoi tu penses à Brigitte? Tu veux parce qu'on parlait parce que tu fais la voix de Patrick Poivet. Parce que je faisais Patrick Poivet. Qui sera d'ailleurs ce week-end à Paris Manga et je serai à Paris Manga. Ouais, stylé. Je vendrai mes mangas puis je. Rappelle-toi ce que l'on t'a dit. Elle fait de la lèche au représentant de l'autorité parce que, en fait, en tant que gardienne, c'est une sous-flic. Elle me remet une pièce à conviction. De premier ordre. Comment? Pardon? Quel genre de pièce à conviction? Eh ben, cette photo. La photo du samouraï d'acier se dirigeant vers le lieu du crime. Mais quoi? Mais qui a brisé de photo? Vous voyez cette caméra là-haut sur, l'arche, mamzelle? L'arche! Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau Bonjour? Ouais, quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra. Mais non! Minig, il a une preuve au dévijus! C'est drôle, pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'a pas l'air si réjoui. Trois petits points de suspension, qu'est-ce qui va pas, mon gars? Vous avez l'air abattu! Mais non, mais c'est que lui, il sait tellement qu'il est incompétent qu'il sait que même quand il a une preuve, c'est peut-être de la merde. Bah oui! Ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça. Oh 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 oh. Qu'est-ce que tu
Qu'est-ce que tu viens de baver sur les rouleaux? Personne rigole comme ça, tu sais. On aimerait poser quelques questions aux employés. D'accord, mon gars. Faites comme chez vous. Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé. Content de voir qu'il y en a au moins un ici qui s'amuse. Nique, allons-y. On a carte blanche, c'est les mains de manque jamais d'y voir au plus clair. Hé, il y a une caméra ici. C'est la caméra de surveillance. Elle prend des photos des gens qui vont au studio. Tout ce que vous avez à faire, c'est de consulter les données. Vous voyez ce qui est allé où? Il y a un numéro sur votre caméra. ST1-307. Ça doit être le numéro d'identification de la caméra. Retenez. La mascotte du studio. Espèce. C'est quelle espèce? Mais quel genre de singe a un nez pareil? Tiens, un panneau dans sa main. Vers la droite, studio 1, vers la gauche, studio 2. Mais qu'est-ce qu'il a ce machin? Il a l'air totalement foutu! Oh, le vent soufflait plutôt fort hier et la tête s'est cassée! Elle a même entraîné cet arbre dans sa chute! Aucun indice ici. Aucun indice ici. La mascotte du sud. Mais alors, mes amis, ça va devenir plus fort dans sa chute! L'entrée du sud. Studio où on a retrouvé le corps de Jacques. Allons voir en second, mais quelque chose! Mais c'est fermé à clé! On dirait qu'il faut une clé magnétique pour rentrer comme un métal pierre solide. Ça me paraît logique de vouloir empêcher les gens de rentrer à l'extérieur de rentrer. Ah merde, on peut pas aller plus loin? Ben. C'est le plan. Du coup, on n'a pas la photo. Il ne l'a pas donnée. Inspecteur, vous avez une idée de ce que c'est ça? Écoute mon gars, j'ai pas le temps de regarder chacune de tes babioles, pigé! C'est le plan de là où on est, quoi. Il est vraiment très mal poli, quoi. Attends, peut-être lui montrer le rapport. Inspecteur, vous avez une idée? Écoute mon gars, j'ai pas le temps de regarder tout ce que c'est tes babioles! Pigé! Bon, et si on peut pas aller plus loin, ça pêche. Nick, regarde cette dame de la sécurité! Et dans son poste en train de s'enivrer de beignets! Je crois que. À croire que tous les flics aiment les beignets! Oui! Ils sont assez beaux pour qu'elle n'ait pas besoin de dents pour les mâcher, cette vieille salope! Pourquoi il est viophobe comme ça? Eh, vous, alors, ça y est, vous êtes convaincu que l'on est coupable? Gasp! Il fallait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à détective. Pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance, madame? Oh mais c'est pour ça que je serais plus mal du temps de parler avec l'inspecteur en personne. Oh, ce sont les choses sérieuses, hein, vous savez. L'arme sur laquelle est fixée, la caméra qui a pris cette photo est juste là, à gauche, c'est mon travail de vérifier chaque jour les photos, vous savez. Le poste de sécurité est difficile d'une position centrale. Ouais, peu importe l'endroit où vous allez, vous devez d'abord passer devant mon poste. Oh, d'ailleurs, le pauvre Hammer est allé au studio juste avant 13h. Le crime a lieu vers 14h30, n'est-ce pas? Oh, le seul que j'ai vu passer entre 13h et 14h, montez. D'ailleurs, la caméra de surveillance l'a également bien vue. Mais si j'ai pas lui coupable, alors je vais bien voir bien qui c'est. Pourquoi pas vous? Oh, vous en avez plein de monde, fille. Elle croit que je plaisantais. J'ai éternué ma culotte est foutue. Je n'ai pas pointé mon doigt vers elle en disant « Pourquoi pas vous ?» J'ai éternué ma culotte est foutue. Putain, c'est dégueulasse. Le victime, Monsieur Hammer, était un acteur célèbre. Oh, c'était la plus grande star du studio. C'était? Mais oui, il était excellent dans le samouraï barbu. T'avais fait que des samouraïs. Entre autres, oui. Ah, c'était lui, ah, le plus brillant à l'époque. Ah, faire de cette star le zut sans cœur, ah, c'est une honte, hein, je vous assure. Ah, Hammer a eu du mal à l'accepter, et qui peut lui en vouloir? Concernant cette caméra de surveillance. Ah oui, oh, la caméra. Elle est automatique. Hein. Ah, elle va fort dès que quiconque passe par cette entrée, puis elle prend une photo. Ah, apparemment, elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise. Mais je m'embête pas avec ces petits détails. Je visionne juste toutes les photos de l'ordinateur de mon poste. Oh, je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi pour me mettre sur mes yeux. Uh-huh.
Ouais, donc on va examiner. On dirait un faucon de tournage, ils doivent l'utiliser pour transporter le matériel cinématographique. L'entrée principale du studio. Hier, il y a eu beaucoup d'agitation car des visiteurs ont essayé de forcer l'entrée. Voilà, ouais, hein c'est sorti. Les indices, mais dans ton PC quoi. Merci Joe's Geek pour les 1000 bits. Merci à toi, c'est très gentil. Que je kiffe cette zik. Est-ce qu'un jour on va la voir cette photo en fait? Bah je sais pas. Ah, zone des employés, on peut y aller. 7 octobre, Global Studio, zone des employés. Minig, c'est ici que se vendent nous les Dragonoulis. Et regarde la loge de Lante. A mon avis, personne n'y atteindrait depuis le meurtre. Alors j'ai un œil. Merci Ragnar. On va peut-être t'examiner un peu. Les restes du déjeuner d'hier sont éparpillés un peu partout. Ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer. Il reste un os de côtelette dans une assiette. J'ai faim. Une côtelette, ça aurait été la bienvenue. Juste avaler un hamburger, jeune japonaise. Oui, mais j'ai un deuxième estomac extrêmement la viande. Oui, mais tu es une vache. Toi qui sert qu'à ça. Soda, bonbon, chips, chewing gum, préservatif, c'est plutôt banal. J'aurais espéré trouver des trucs sympas personnalisés. Ou moins du popcorn. Attends, regarde, il y a du soda samouraï. Nique, goûte ça. Honneur aux dames. Aucun indice ici. Alors qu'il y a certainement un bon vieux slip, quoi. Mais j'ai rêvé où il n'y avait pas des endroits où on pouvait scroller sur les côtés, là. Bah écoute, dans le 2. Il y a une plaque sur la loge de la porte. Monsieur Gus, ta volonté, ça doit être souhait d'être une star et d'avoir sa propre loge. Moi, toi qui n'as même pas de chez toi, quoi. Ah si, regarde, là, il y a vue. Loup. Voilà. Ah, voilà. La grille qui recouvre la canalisation. Elle est un peu tordue, je crois. Elle ne rentrerait pas si j'essaie de la remettre. La grille métallique de cette canalisation a été enlevée. C'est une canalisation assez grosse, je parie qu'un gamin pourrait s'y. Ouais, si un autre parisien n'a même pas payé l'entrée. Eh bien, si tu veux sortir par là, je t'en prie, jeune japonaise. D'accord. Eh mais je suis pas une gamine. Un décor de scène inachevé, on dirait un château japonais. Certainement le château du nouveau vieux Tokyo. Un de ces vélos électriques de bobo de merde, je pige pas. Je veux dire, à quoi ça sert? Tellement nul à chier, Phoenix Wright. Il a 24 ans, il est vraiment vieux et mais con. Mais non, c'est vraiment un vieux con. C'est beaucoup plus facile pour grimper une colline. Oui, mais pourquoi? Mais les gens pratiquent le vélo pour faire du sport, non? Bordel. Bordel. Il a vraiment des avis arrêtés sur tout, quoi. Il aurait Twitter, il se tuerait, quoi. C'est ça. La porte de la loge, elle n'est pas fermée. Eh, Nick, allez jeter un coup d'œil à l'intérieur. Peut-être trouver un souvenir. Qu'est-ce que tu entends par trouver? Mais on sait jamais, il peut y avoir quelque chose comme... La lance de samouraï. On n'a pas besoin d'une lance. Et puis c'est l'arme du crime, bordel de merde. Le 16 octobre, Global Studio Loge. La loge de Lonté. Alors c'est là qu'il dormait. Ou du moins, c'est là qu'il prétend avoir dormi. Québécois. S'il soupçonne tout le monde de leur nationalité. Oui. Il est vraiment très très perturbé. Ultra raciste et tout, c'est très très drôle. En réalité, personne ne l'a vu faire la sieste d'ici. Si. C'est exact. Et une photo le montre en train de rôder sur les lieux du crime. J'espère qu'il dit la vérité. C'est l'enfant. On a même pas vu la photo, ça veut rien dire. Oui, c'est exact. Il y a plein de produits de beauté ici. Oh! Mais c'est la perruque qu'il a utilisée dans sa moraille Boogie Woogie! C'est l'OAV le plus pourri de la série! Niquez, c'est là! Non. 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 Et comment tu peux donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque, espèce de weeabo? Oh, j'aime bien les films de samouraï! Ah, ma voix, j'ai cassé ma voix. Espèce de whip de merde! Dis tout de suite que tu te masturbes dessus! Allègrement! Oh, ça doit être le sac de Lante! Et ne l'ouvre pas! Mais regarde! La clé magnétique d'un employé. Ça doit être celle de Lonté. Il y a Studio 1 écrit dessus. Mais prenons-la, Nick! Emprunté, tu veux dire. Emprunté. Ça reste illégal. Clé magnétique ajoutée au dessus de la fête. Ça reste totalement illégal. Oui, totalement. Les gâteaux sur la table, ils doivent donner ça à leur santé.
du thé et des biscuits. Nick, j'ai faim! Tu viens juste de t'avaler un hamburger! Mais oui, mais j'ai un estomac rien que pour les bonbons! Combien d'estomacs cette japonaise a-t-elle? Depuis Fukushima, les choses ont bien changé au niveau de l'anatomie. Il y a des costumes normaux et parmi les costumes de scène. Ah oui, mais True Story en même temps. Il faut s'agir de ses propres vêtements de Québécois. Mais ça doit être drôle de border un de ces costumes. Moi, je dirais que tu en portes déjà un, espèce japonaise. L'enculé. Comment c'est un enculé? Quel bâtard, mais c'est fou, quoi. La meuf, genre, sa sœur est morte dans la plus pure tradition de machin bidule. Elle vient d'un village. Et elle a des vrais pouvoirs, vu que tu les as vus en action et tout. Elle porte un truc traditionnel, et là, genre... Ferme ta gueule, Yakari. C'est ça. Allez, on t'a pas sonné, Yoko Tsuno. Le respect de lui. On dirait que quelqu'un a dormi ici. Peut-être que l'onté a vraiment fait une... Putain, mais Phoenix Wright, le sac à merde, quoi. Attends, la fenêtre... C'est fermé à clé. On dirait qu'il ne trouve pas... qu'il n'ouvre pas très souvent sa fenêtre. J'imagine que ça va être un peu poussiéreux dehors. Je crois pas qu'ils auraient pu faire un truc où tu cliquais genre un peu en haut, un peu à droite pour que ce soit fluide. Ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait. L'entrée du studio. C'est le studio où était retrouvé le corps de Jacques. Mais allons voir si on trouvait quelque chose. Je me demande si la clé magnétique qu'on a emprunté, lol, dans la loge va fonctionner. Ça marche. Ok, on y est. Elle me paraît bien trop joyeuse pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime. Et qui a volé la carte. Bon ben on y va. Salut. Salut mon gars. Ça fait rien à dire. Genre, en fait on avait la clé, on avait le droit. Tout le 16 octobre, studio 1. Le 16 octobre, studio 1. Qu'est-ce que c'est? Et tu es bien silencieuse tout à coup, jeune japonaise. Ça ne te donne pas la gère de boule, Nig. Cet adhésif blanc, c'est tellement réel. Bah, le juge Shankar est mort à cet endroit, jeune connasse. Et le samouraï d'acier l'a tué. La lance de samouraï est l'arme du crime. Tout ceci me semble bien réel. Sa sœur est morte hier. Sa sœur est morte. Pourquoi elle trouve ça bizarre qu'il y ait un autre cadavre? Alors attends, salut les mecs. Est-ce indiscret de demander des nouvelles de Ganesh, des aventures de Phoenix de Ganesh cette saison? Eh ben, écoute, l'émission a été remplacée par une autre émission. Donc, c'est les aléas de la vie. Voilà, donc, c'était quand même cool. J'ai un selfie avec Gilbert Montagné qui regarde dans la bonne direction. Ça, c'est quand même stylé. Et voilà. Donc, non, désolé. Mais, du coup, les vidéos. Allez, examinons un peu tout ça. Il n'est pas non plus encore... Ça ne le ralentit pas dans ses aventures. Tout à fait. Le sac à dos, c'est le truc que j'ai vu en premier et en fait on s'en foutait. Quoi. Bon, regardez le truc. L'emplacement du cœur de Jacques Hammer a été marqué avec de la vie. Il portait encore le costume du juge sans cœur. C'est sûrement pour ça que la tête a la forme d'un casque. C'est drôle, je pensais qu'un coup de lance laisserait au moins quelques taches de sang. Même que le costume allait en absorber la majeure partie. Ouah, mais visible la caméra, ça doit coûter une fortune! Oui, ce n'est pas un GH4 de youtubeur. Ouah, mais c'est plus lourd que je pensais! Hey, fou là-bas, j'ai franchement le souci à ça! Mais merde, c'est une fille! Désolé, mon associé est un peu. C'est une japonaise! Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Non, mais je ne vois pas! Qui êtes-vous? C'est ça, moi? Alors, je travaille comme assistante ici! C'est la meuf du Digital Foundry. Je m'occupe de. C'est la copine du mec de Digital Foundry. Merci beaucoup Flo pour ton abonnement sur Twitch Prime. Tu m'occupe des accessoires et du reste, je les déplace, j'en commande des nouveaux, etc. Mais nous sommes avocats et nous représentons Gustavo Volonté. Oh mais vous êtes envoyé par GL. GL? Ah mais Gustavo Volonté, c'est GL, j'ai compris, je suis intelligente. Ah mais je peux pas vous dire que je vous envie. Mais faites tout ce que vous pouvez pour GL, d'accord? Oh, il ferait pas de mal à une mouche, il est forcément innocent. Mais ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Savez-vous que Monsieur Lonté dormait dans sa loge? Non. Ah, je ne me permettrai pas d'y entrer, sauf pour lui remettre une fellation. Tu veux dire, c'est pour son intimité? Pour quel genre de film prenez-vous? Elle fait une vanne, mais c'est totalement rentré dans le sens de la vanne. Et quel genre? Mais non, je suis sûr que vous êtes une fille bien. Désolé.
tout ça pour vérifier la limite de volonté. Vous pouvez me dire tout ce que vous avez sur le jour du meurtre. Oui, oh, j'ai passé toute la journée au studio ce jour-là. J'étais la seule assistante présente sur les lieux. La seule assistante. Calme-toi. Mais c'est, bah, elle est énervée de ouf. Merci quoi. À toi, Duty. Duty Man. Ouais. Merci à toi. Duty Man. Oui, vous savez, les studios traversent une mauvaise passe en ce moment. Et hier, il devait juste y avoir une répétition générale des scènes d'action. Je vois, super. Ce matin, on a vu les scènes d'action dans la zone réservée aux employés. Et Jay et Hammer étaient là avec tous les autres. La zone des employés. La zone des employés. La zone des employés, c'est là que se trouve la loge de Lonté, n'est-ce pas? Oui, en effet. Après le déjeuner, Monsieur Hammer est allé au studio 1. Et puis j'ai vu Gael aller dans la loge. Après ça, je l'ai pas vu. Mais qu'est-ce qu'on fait, Nick? On n'a rien trouvé! Si Gael est le seul à être revenu au studio! Alors j'ai certainement eu l'assassin et je suis géante! Désolé, oh, je sais que vous êtes occupé. Pas vraiment. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Ah, c'est ce que j'attendais. Un indice, une piste. À vous, Julie. Mais ce jour-là... Ah, il y a la musique. Après-midi, j'ai senti la présence de quelqu'un. Vous avez senti? C'est vraiment... Hé, hey, grand Pamini. Hé, hey, alors, espèce de grand dadé. Ah, désolé, grand Pamini. Désolé, grand Pamini. Espèce de grand dadé, on ne t'a pas sonné. Ah, mais non, on est des mini-pouches. Oui, alors, plusieurs fois. Un autre employé du studio, peut-être. Merci, Erhard et Pom Pom Gali qui s'abonnent également. Ça commence à faire du monde, hein. Merci. À votre santé. Non, je crois pas. Oh, il y avait une répétition de scènes d'action prévue ce jour-là. C'était la seule assistante présente sur les lieux. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur. Vraiment? Mais attendez, si quelqu'un était venu ici, cette dame de la sécurité l'aurait remarqué, non? Si, vous avez raison. Je regrette, mais j'ai pas de meilleure information que celle-ci. Merci quand même si c'est de la merde. Allez, allons un peu embêter cette dame. Vous dites avoir ressenti la présence d'une personne extérieure à l'équipe. Peut-être c'est parce que vous êtes petite et que du coup vous sentez les odeurs un petit peu comme les oiseaux dans les mines. Oui, je crois. Je crois, ça ne pèse pas lourd dans un témoignage. C'est bien. Nick, c'est de témoigner à la dame. Si quelqu'un d'autre est entré dans le studio, l'a sûrement vu. Bah allons-y. Allons voir, bah, cette vieille mégère. Ah oui, attends. On peut pas avoir tout. Hé, hey, mais regarde, c'est la chaise du réalisateur. J'ai toujours rêvé de m'asseoir sur une logique. Et Nick vise un peu ça. La planche noire et blanche qu'ils vont claquer pour lancer le tournage. T'as vu ça en porte-voix, c'est bien vrai. Action. Cette fille est encore plus japonaise que je le pensais. Bon, on va se déplacer. Respecte tellement personne. Tintin. 16 octobre, Global Studio entrée principale. Quoi? Eh, vous êtes encore là? Oh, et ben quoi? On dirait que vous avez vu un fantôme. Quoi? Eh, comment ça? On s'est bien vu se regarder sur son combinat, hein? Je voulais vous poser d'autres questions au sujet d'hier. Vous êtes arrivé ici à 13h, c'est bien ça? Et l'heure du décès d'Hammer est estimée aux alentours de 14h30. Êtes-vous sûr que Lonté est le seul à être passé ici entre 13h et 14h30? Oh, c'est sûr qu'on puisse l'être. Mais on a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur ce jour-là! Ouais. Êtes-vous absolument persuadé d'être ici? Restez ici tout le temps pour surveiller! Madame? Qui c'était? Qui vous a dit ça? Qui a osé me remettre en action? Qui? Bah, vous allez bien venir tout venir! Espèce de crétin, Wenderman! Elle laisse bien le travail, c'est ça. C'est Gloomy Grim. On a juste discuté avec l'assistant du studio, hein. Vous n'avez pas employé, s'il vous plaît. Je
de ce que les jeunes savent faire de conséquences. Quand j'étais jeune, je peux vous dire qu'on savait respecter les aînés à cette époque. On savait ce qu'était le respect, on a des jeunes qui vous blablabla. Elle est partie. Elle est partie en fumée, quoi. Le truc a explosé, quoi. Alors, Onig, c'est l'occasion jamais d'improviser, elle est plus là pour nous épier. Examinez l'ordinateur de cette téméraire. L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance. Onig, on peut peut-être voir la photo de Landé. Oui, peut-être. Devrais-je essayer d'utiliser l'ordinateur? Mais oui, lol, vas-y. D'accord, tentons notre chance. Tu sais comment marche le truc, Onig? Mais comment ça se fait qu'il y a des oiseaux, là? Mais le son ambiant est très mal à pouvoir ajouter, quoi. Voyons voir. D'abord, il faut la date du meurtre. On dirait que la caméra s'est mise en route à 13h ce jour. 13h, l'heure à laquelle la dame de la sécurité est arrivée à son poste. Veuillez entrer le numéro de la date, le numéro de la caméra de surveillance. ST1-307. Voilà, c'est fait. Mais j'ai imprimé les données de ce jour-là. Voyons voir ce qu'on a. Trois petits points de suspension. Quoi ? Nani ! Comment peux-tu informer que cette photo, c'est Gustavo Lante ? Eh bien, il est le seul à porter ce costume. J'imagine que... J'image ! Ah, j'image ! J'image, que c'est pour cette raison que la gardienne a cru que c'était lui. Mais je peux pas croire que l'inspecteur se soit désolé de cette photo comme preuve ! Tiens, il y a quelque chose imprimé au dos. 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Nani ! Deuxième photo ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a peut-être eu d'autres photos prises ce jour-là. Mais non, c'est la seule dans l'ordinateur ! Photo de volonté ajoutée au dossier de l'affaire. Hey Nick, on ne pourrait pas utiliser cette photo comme bien sa conviction ? Ouais. On va remettre cette dame de sécurité à sa place avec ça ! Oui, on va la remettre à sa vieille place de vieille salope ! Et c'est ce que je viens de dire ! Peu importe ! On lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit ! Mais non, il ne faut pas. Mais pourquoi ? Chaud tomate, t'écoutes ça, il ne faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire. Nick, tu es encore plus malin que je pensais. Tiens, tu pourrais peut-être le prochain juge sans cœur. On me dit qu'on m'entend bien. Ah bah quand même, attendez, ça fait une heure en plus que Ganesh parle. Non, je pense que c'est... On n'entend plus super bien Ganesh. Et si, tu l'entends bien, oh là là. J'ai augmenté le gain, t'es content? Oui, ça fait une heure qu'on te dit ah bon à ce point-là, mais bordel. Merde, on en avait pas vu. J'ai pas. On entend à peine moins fort Ganesh, mais ça va, c'est rien. Ok, bon bah ça va, ça dépend des gens. J'ai augmenté vite fait le gain du son. Avec mon casque, je n'ai aucun problème. Bon, allez. Ayaku, Ayaku. C'est un harangue. C'est un harangue, merci Sage Player. Je crois que la photo est ce qui nous manquait pour le procès. Enfin, ce serait mieux si on avait une petite idée sur l'identité du vrai criminel. Lol, si on savait qui c'était, on serait... Il s'agit peut-être réellement de cette dame de la sécurité. En tout cas, le pantalon est beaucoup trop grand. Eh oui. À suivre sur... Benzaï Live. Bah oui, on bah sauvegarde. Oui, on sauvegarde, oui. Petite pause, petit café. Tout à fait.